Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de bench et de stress système, de stress test sous notre système d'exploitation favori, GNU Linux. Alors, j'ai déjà entendu, oui, sous système libre, GNU Linux, il existe. Pas ou très peu de logiciels d'utilitaire de bench ou de stress, tandis que sous Windows, il y en a, ça en plus sous Windows, ça fonctionne, sous Linux, ben, il n'y en a pas, et quand il y en a, ça fonctionne pas. Faux, mais tout est faux. Il existe des logiciels, des utilitaires de bench, que ce soit de bench donc Total, de bench bien précis, CPU, GPU. Il existe des logiciels, des utilitaires de stress matériel. Ça existe. Oui, je vais vous le montrer. Déjà, alors attention, je n'ai pas abandonné Linux Mint. Linux Mint est installé sur 8 machines dans mon bureau. Je pense que j'ai 6 installations de Linux Mint 19.3 XFCE et 2 de Linux Mint 19.3 Cinnamon. Je suis actuellement sous Ubuntu 20.04 parce que, comme je l'avais dit, j'avais envie de tester cette nouvelle LTS et donc voilà, j'ai installé cette LTS sur une machine. Et ben, quoi de mieux que pour la tester, déjà de l'utiliser pour faire mes présentations vidéo. Mais Linux Mint est toujours là, il n'y a pas de souci. Et j'attends avec impatience Linux Mint 20. Alors, revenons à nos moutons. Regardez ce que j'ai là. C'est quoi? C'est une extension GNOME qui va me permettre de quoi? Mais déjà, regardez, on va faire ceci et on va se rendre dans le magasin d'extensions de GNOME. Voilà. Et on va juste faire CPU. Voilà. Freck. Et attention, by Concord, c'est celle-là. Celle-là, elle est à jour. Elle fonctionne. OK? Même s'il y a un petit retard au niveau du versionning. Mais elle fonctionne. Alors, ça va permettre de quoi? Ça va permettre de quoi? Voilà. Donc déjà, compatible avec une multitude d'architectures. Alors, on va pouvoir monitorer la fréquence CPU. On va pouvoir voir Governor, c'est allez, si on utilise le CPU de manière économique, donc, si la fréquence est baissée parce qu'on est sur batterie, si on utilise le CPU de manière maximum. Alors, on va pouvoir voir les speed limits, donc les fréquences limites. Okay? Que ce soit limite basse, limite haute. Okay? On va pouvoir voir le nombre de cœurs disponibles, on va pouvoir activer, désactiver un certain nombre de cœurs et on va pouvoir également activer le Turbo Boost. On va pouvoir sauver et restaurer les settings. Bon, on y va. Voilà à quoi ça ressemble après installation et activation. On peut voir que je suis sur un Xeon d'ancienne génération. De marque Dell, on peut voir le modèle, on peut voir la distribution, le kernel utilisé, on peut voir le nombre de cœurs, 8. On a des infos sur la moyenne, la mémoire, le swap. Voilà, on peut voir les réglages appliqués au niveau de l'énergie, hein, power profile, sur demande. Voilà, on peut paramétrer la fréquence minimum d'utilisation, la fréquence maximum. On peut choisir de travailler sur allez, sur quelques cœurs, sur la totalité des cœurs. On peut utiliser la fréquence boost, donc le turbo boost. Et on peut se rappeler des réglages. Comment ça fonctionne?
Ben, voilà un exemple. Faire comme ça. Faire comme ça. Voilà. Là, je travaille bien sur mes 8 cœurs. Eh bien, je pourrais dire, ben, écoute, travaille sur 4 cœurs. Et vous allez voir qu'il y a 4 cœurs qui vont se mettre en off et on peut voir qu'ils sont sur 0. En fait, c'est comme si là, j'ai enlevé 4 cœurs des 8. C'est comme si j'avais enlevé l'hypertrade. En gros, c'est ça. Plus ou moins. OK? Je peux remettre donc mes 8 cœurs. On peut voir qu'ils vont se remettre en route. Enfin, mes 4 cœurs. Voilà. Donc, je retrouve la totalité des 8. Donc, fréquence minimum 1,6. Maximum 2,8. Mais avec le turbo boost, 3. OK? Je peux activer ou désactiver le turbo boost. Je peux dire, bah, écoute, la fréquence minimum, moi, je veux qu'elle soit à 2,4. Donc, ce qui veut dire que même au repos, je serai à 2,4. Ça ne descendra jamais en dessous. OK? Ou je peux dire, bah, écoute, tu travailles tout le temps à fond. Regardez, on le voit ici. OK? Se rappeler des réglages ou non. Ça, c'est une chose déjà. Ça, c'est un chouette petit, une chouette petite extension. OK? Donc, sur ce, revenons-en à nos moutons. Je vais essayer. J'ai préparé une machine virtuelle qui est là. Voilà. Ici. Mais je vais essayer aujourd'hui de travailler sur mon matériel physique. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme ceci. Voilà. Je vais simplement ouvrir une instance terminale. Alors, donc, CPU frec pour CPU fréquence, on l'a vu. On va voir un premier utilitaire que tout le monde ou que beaucoup connaissent qui se nomme Ardinfo et qui se trouve dans les dépôts officiels. Ardinfo va nous donner des informations hardware, c'est la première chose, mais il y a une partie de cet utilitaire qui va permettre de réaliser des benches. Et oui. Donc pour l'installer, vu qu'il est dans les dépôts, on peut faire un apt search, on peut faire hard i, voilà, pour le trouver. Hard info, il est bien là. OK. Donc là, je vais faire un sudo apt install hard info. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. Je confirme. Et Ardinfo est bien là. C'est cool. Et il est où? Eh bien, il est ici. Voilà. Information du système. Je peux faire ça peut-être. Voilà. Alors ici, on va faire. Non, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Faire comme ça. Et on va faire htop. Peut-être comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, on a toutes les infos, mais nous, ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est, voilà, l'onglet de la catégorie Benchmark. Regardez, il n'y a rien de plus simple. Test CPU Blowfish. C'est parti. Hop. Voilà. Et on a un petit classement qui se fait. Donc, on peut voir où est-ce qu'on se situe dans ce classement. Regardez où je suis. On ne rigole pas. Voilà, il y a tout plein de benches disponibles. OK. On patiente. On peut voir que ça travaille à htop, vous avez vu? Mais je suis bien bas. Mais en même temps, bon, je recorde. Hein. OK. Voilà, il y a des tas de tests à faire. Alors, si vous vous dites, ça sert à rien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce genre d'utilitaire? Si vous vous dites cela, c'est que c'est pas fait pour vous. Voilà. Je vais pas tous les faire.
Ça, c'était le premier utilitaire. OK? Maintenant, il existe un autre utilitaire, toujours dans les dépôts. Je vais essayer de privilégier les dépôts officiels au maximum. Oui, je vais faire apt search, search sysbench. Oui, il est là. Et je vais. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que Hardinfo dispose quand même d'un GitHub, si jamais ça vous intéresse. Regardez la description de la vidéo, vous aurez tous les liens. Ok? Donc il y a tout plein d'infos. Ici, moi, je présente succinctement, mais vous verrez, il y a tout plein d'infos. C'est comme pour Sysbench qui est dans les dépôts, il y a également un GitHub. Ok? Voilà. Alors, vu qu'il est dans les dépôts, notre ami Sysbench, eh bien, regardez, on va faire sudo apt install Sysbench. Ok. Oui. Voilà, on fait comme ça et on va faire comme ça. Et pour utiliser Sysbench, vous allez voir, c'est très simple. On appelle Sysbench, donc Sysbench test. Test quoi? CPU run. Ça, c'est une première commande que vous pouvez utiliser. OK. On balance. Regardez. Vous allez voir. Peut-être htop qui s'excite un peu. Voilà. Mais ça, c'est un bench. Hein. Donc, ça veut dire un bench, c'est quoi? Il y a un travail qui s'effectue et on a un compte rendu du travail effectué. OK? Stress test, ça stresse. Donc le matériel, on n'a pas de rendu. Hein. Voilà. OK? On peut encore utiliser Sysbench de cette façon. Je rappelle la commande. Donc Sysbench, mais alors la commande, ça va être CPU. Voilà, CPU. Double tiret treats, voilà, et on spécifie que l'on veut travailler, donc effectuer un bench sur deux cœurs. Voilà. Yeah. On peut également effectuer un test, un test mémoire. Et oui, ce sera cette commande-là. Test égal, mais ce sera memory. On termine par run. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme commande? Sur l'écriture-lecture de fichiers. Mais alors là, la commande. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Je ne sors pas toutes ces commandes comme par magie. Je me suis fait mon petit pense-bête. Voilà. C'est nickel. Hein? C'est parti. Voilà. Ça, c'est un autre utilitaire. Donc, on a vu Hardinfo, Sysbench. Donc Hardinfo, faire des bench, Sysbench pour faire des bench. Maintenant, on va voir quoi? On va voir des utilitaires pour juste faire du stress. Oui. Le premier, ben, c'est stress, tout simplement, qui se trouve également dans les dépôts. Il y a une page qui est dédiée, qui est ici. Voilà. Donc c'est une man page sur ubuntu.com.
Voilà. Donc toutes les commandes que j'utilise, eh bien, elles viennent de là. Donc première chose. Ok, je vais faire un petit clear. On va faire un sudo apt. Non, on peut faire un apt search stress. Et voilà, vous allez voir qu'il est dans les dépôts. Il est là. Donc on fait un sudo apt install stress, tout simplement. Alors, on peut obtenir des infos. Info stress, info. Voilà. J'ai été prendre une capture de mon écran. Vous avez vu? Saloperie de clavier. Info stress, voilà. Ben, info stress, c'est un peu ce qui se retrouve sur la man page ubuntu.com que je vous ai montré. OK? Donc, oui, on appelle la commande stress tiret tiret CPU, hein, et on spécifie le nombre de CPU, le nombre de cœurs. Boom, c'est parti. On ne chipote pas. Mais alors là, attention, c'est à vous à l'arrêter, hein. On est d'accord? C'est à vous à l'arrêter. Donc là, j'effectue juste un stress sur le CPU. Parce qu'on peut faire un stress sur le écriture, lecture de fichiers, voilà. Donc, on peut. Vous avez vu, je vous ai dit, c'est à vous à l'arrêter. Hein. Si vous ne l'arrêtez pas, bah, ça continue indéfiniment. Donc, on peut terminer alors la commande avec double tiret, time out 10 secondes. Donc, tu effectues un stress test sur deux cœurs pendant 10 secondes. Voilà. Donc là, je ne vais pas l'arrêter. Il va s'arrêter de lui-même. Maintenant, il existe des commandes bien plus complètes que j'ai été chercher sur le site. Un exemple de commande. Là, voilà. Donc, stress test sur le CPU, sur le I/O, donc écriture, lecture, VM, enfin voilà. Et également, durée 10 secondes. Hop, voilà. Alors, il existe un autre utilitaire qui se nomme, un autre utilitaire de stress test qui se nomme stress NJ. C'est le même que l'utilitaire stress, sauf que stress NJ, ben, il est plus, comment est-ce qu'on dit, à la page. Il a été mis à jour avec beaucoup plus de nombre de quantité de. Oui, de quantité et de façon différente de stresser le système. Voilà. Mais pour l'installer, ben c'est la même chose. C'est sudo apt install stress-ng, tout simplement. Oui. Il y a également eu une page qui lui est dédiée et qui se trouve sur ubuntu.com, donc kernel.ubuntu.com, voilà. Donc les commandes pour ce dernier, ben, c'est le même, hein. C'est le même que à peu près que ce que l'on vient d'utiliser, ben, c'est le même que pour stress. Donc déjà on a le fameux info stress mais tiret ng, voilà. Alors sinon, ben, c'est le même, c'est stress, c'est les mêmes commandes que pour stress, mais stress NJ. Voilà. Stress NJ, double tiret, CPU 2. Voilà. Attention, c'est à moi de l'arrêter, sinon ça continue indéfiniment. Même commande avec le time out de 10 secondes. Voilà. Alors, la fameuse commande qui va effectuer un test sur tout. Voilà. Pendant 10 secondes. Alors, c'est génial parce que on peut avoir un retour graphique des stress effectués. Il y a un,
Il y a un utilitaire qui existe qui se nomme Estui, qui est aussi dans les dépôts. Donc Estui, c'est pour avoir un retour graphique des stress effectués. Alors j'aurais me dire, bah ouais, mais il y a HTOP, oui, mais Estui est spécialement, donc peut remplacer HTOP, hein, première chose, mais en plus, il englobe d'autres informations comme la température, comme la fréquence, donc que HTOP ne fait pas, par exemple. Alors Estui a également sa petite page sur GitHub. Voilà, Estui. Je pense que je l'avais déjà présenté. Je me rappelle plus. Il est dans les. Attendez, je vais faire simple installation. Voilà. Pour Ubuntu 18.10, c'est au-dessus, donc apparemment il est dans les dépôts. Il y a également un PPA, mais apparemment ils disent qu'il n'est pas trop à jour. Bah, il y a pour toutes les distributions. Donc, ça fait longtemps que j'ai pu installer Estui. Je me rappelle que j'avais des problèmes, tiens, avec. Donc si je fais sudo, non, si je fais apt search, donc si je fais Estui, il est bien dedans. Il est dedans. Alors, donc sudo apt install Estui. Il va aller chercher Python. Oui. Python 3. Ici, je ne vais pas installer Stress, ni StressNG, parce que c'est déjà installé. Sinon, vous, ben, vous ferez ceci. Stress ou StressNG, ou les deux. OK. Puisque c'est un comment? Allez, un monitor terminal qui permet de travailler justement d'avoir un retour grâce à l'utilitaire Stress et StressNG. Donc moi je vais juste installer Estui. Oui. Mais je me rappelle que j'ai eu des soucis avec. Ouais. Ah non, voilà, il se lance. Ah, nickel. Il se lance. Alors, je sais que. Attendez, hein. Je dis pas de conneries. Si vous voulez utiliser Estui dans un environnement virtuel, il existe. Voilà. Pipsy. Ou Pipsy ou Papsy. Voilà. Pas mal. Donc, ce qu'il faut faire, utiliser ici. Je suppose que plus bas, les dépendances. Je vais essayer de vous trouver des commandes à utiliser. Mais sinon, vous pouvez même utiliser Estui en remplacement de HTOP, tout simplement. Hein. Voilà. Monitor. Stress. Ah, voilà. OK. OK. Non. Voilà. OK. Voilà, je viens seulement de tilter. Via Estui, on peut se placer en mode monitoring. Voilà, comme le fait HTOP. Stress. Et là, ben, on a un retour graphique du stress test. Regardez, clac, clac. Là, je passe en mode stress. Et c'est ça la, voilà, j'arrête. Et c'est ça la différence avec HTOP.
C'est que la différence, mais c'est que lui me donne des infos sur quoi? Sur la fréquence de tous les cœurs. Ouais, je pense. Attendez un peu, je descends. Ouais, il y a tout plein d'options, hein. Regardez. Il y a tout plein d'options. Graphes, stress. Donc, les options de stress. Reset, sauver la configuration, rafraîchissement toutes les 2 secondes. Ouais, non, j'avais oublié ce petit utilitaire-là. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Oui, donc on a des infos sur quoi? La température, voilà. Donc on a des infos sur la température. Hein? Cœur 0, 1, 2, 3. Voilà. Sur des infos carte mère, enfin température carte mère, température GPU, fréquence de tous les cœurs, hein, hyperthread compris, puisque la température sur les 4 cœurs physiques, et là les cœurs. On peut voir que là, il y en a 4 et là 8. Une moyenne de la fréquence de la totalité des cœurs. Là, c'est le pourcentage d'utilisation. On peut voir qu'on a un retour apparemment sur les ventilos. Ventilo processeur, ventilo caisse ou carte mère. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, dernier truc. Après j'arrête. Là, j'ai montré des utilitaires de bench. On est d'accord? Bench, CPU, mémoire, lecture, écriture, fichier, donc disque. J'ai montré des utilitaires de stress matériel. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas, dont je n'ai pas parlé encore jusque maintenant, c'est quoi? C'est Bench GPU. Et il en existe un beau qui se nomme Basemark. Voilà. Alors, le mieux, c'est de se rendre dans About. Voilà. Et regardez, ce qui va nous intéresser, on peut soit réaliser un bench web. Donc c'est un. Attendez, je regarde. Il semblait que ça présentait mieux l'autre fois. Voilà. Donc un bench web, ça veut dire que ça va tester, ça va faire un bench de votre navigateur internet. Voilà. Contrairement à ce que certains croient, c'est j'ai fait un bench de mon GPU. Ah, t'as utilisé, comment? Bah, au travers de mon navigateur. Non, non, non. Vous faites un bench des capacités 3D de votre navigateur. Si vous voulez faire un vrai bench GPU, donc je parle du matériel, vous devez installer un logiciel. Ok, c'est préférable. Regardez. Donc, bench web. Voilà. Simplement start et c'est parti. Bon, je pourrais le faire. Voilà, il a détecté Ubuntu, browser Firefox 76.0, moteur Gecko, résolution 1920 par 1080, la configuration. Et alors, on peut lancer la démo. On essaye, mais normalement, je devrais fermer tous mes autres logiciels et tous mes autres onglets. D'ailleurs, ce qu'il aurait été intéressant de faire, je peux vous dire que ça rame.
Voilà, là c'est un retour sur mon GPU, donc AMD Fire Pro Graphique V5900. Enfin, vous avez vu, c'est cool. J'arrête parce que ça commence à ramer. Donc ce qu'on va faire, on ferme tout simplement. Voilà, et ça se calme. Alors maintenant, si on veut tester, je reviens. Si on veut tester son GPI, voilà. Allez ici, Besmark GPU. Regardez, il est multiplateforme, Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Je vais utiliser, regardez, ça c'est donc le dépôt FlatUp, le paquet FlatPak, et moi je vais prendre l'archive, voilà. Je vous préviens, c'est lourd. On passe le giga. Voilà, et je viens de me rendre compte de quoi? De la parenthèse petit 1. Ce qui veut dire hein, que j'avais déjà. J'avais peut-être téléchargé, mais pas encore testé. Alors déjà, toi, on va faire ceci. On va faire ça. Voilà, plus besoin de toi. Toi, plus besoin de toi. Alors, où es-tu? Waouh! D'accord. Ça, voilà. Je. Eh ben merde. Test file. Ah, eh ben ça, c'est tous les fichiers. Ben voilà, test file. Et ça me fait chier qu'ils soient là. Donc regardez bien, ça va aller vite. On va faire ça. Voilà. Ça. Voilà. Non, mais il est en train d'inonder mon home, lui. Voilà. Alors, si je vais dans téléchargement, oui, voilà, je l'avais. Ben, c'est rien, je vais virer celui-là. Alors, on décompresse, extraire ici. Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. Un double clic sur un exécutable et c'est tout. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Cloc. Voilà. Voilà. Et regardez, juste un double clic sur. Sur lui. Voilà. On accepte le contrat de licence. Et alors, comment ça fonctionne? Test officiel. Test personnalisé et alors on pourrait dire ultime, oui voilà, ultime, l'API OpenGL, alors texture compression BC7 ETC2, je suis pas un pro donc renseignez-vous, la qualité high medium, medium, attention, medium c'est du 1080p. Là, vous pouvez customiser tout. Custom, medium, medium desktop, high, OK. Expérience. Voilà. Il y a juste ce que je voulais vous montrer. Je ne sais plus où c'est. J'ai oublié. Ah, voilà. Ici. Donc ça, ce sont les résultats. Vous n'avez pas encore de résultats. Donc, il n'y a pas d'historique. Hein. Ici. Regardez. Quand vous téléchargez, donc, ce logiciel de Bench GPU, vous avez par défaut je vais appeler ça comme ça, des exercices de bench. Il y en a un. Hein, donc ceci comprend tout plein d'exercices de bench, mais vous pouvez télécharger. Mais voilà, c'est ça en fait. ETC2, ASTC, ça c'est pas supporté. Regardez. Voilà, BC7, ETC2. Je vais télécharger. C'est gros, hein. Waouh, j'ai bien lu. J'ai lu 1,8 giga.
Ouais, ben il n'y a plus qu'à patienter, hein. Voilà. Je vais le traduire comme ça pour que ce soit compréhensible pour tous. On va dire que ce sont, voilà, des exercices différents. De compression de texture. Voilà. Il y en a déjà une série par défaut qui arrive avec le logiciel et on peut télécharger une autre série. Bon, ben on patiente. Bon, ça y est? Oui, ça y est. Alors, ce qu'on va déjà faire, bah oui, quand même, hein. On va déjà faire ça. On va faire un stop. Voilà, faire comme ceci. Ok, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va faire un sudo Radeon top. Voilà. Ok. Faire comme ceci. Voilà. On va essayer de faire au mieux. Alors, test. Si on testait, allez, soyons pas fous quand même. Allez. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Tiens. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Voilà. Tout le monde ne veut pas utiliser. Ben oui, je suis un triple idiot. Configuration requise, une carte graphique avec Vulkan 1.0, OpenGL 4.5, Metal 2 ou DirectX 12. Prends. Ok, bah oui, avec ma vieille carte graphique, donc c'est réglé. Et alors, oui, bah écoutez, voilà, au moins, moi j'ai trouvé pourquoi. Maintenant, un truc qui est génial, il faut quand même que je vous montre. Vous pouvez activer, donc je parle bien de la version web, donc test browser, test navigateur. Vous pouvez activer la version communautaire, donc via ce lien ou activer, désactiver via ce lien ou via le bouton ici. Ok? Et alors, il me semblait que je voulais vous montrer, il y a moyen de d'avoir accès à. Voilà, oh, Powerboard, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir avoir une multitude d'autres résultats et c'est vraiment génial parce que regardez, on va prendre par exemple la Nvidia Titan RTX sous Windows 10. Eh bien, évidemment. Ou alors je vais prendre celle-là, la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Révision A. Hein, sous Windows 10, elle fait 15674. Et si je prends donc la Nvidia GeForce RTX 2080, la même sous Linux. Ah oui, attendez. Avec Vulkan fait 12301. C'est génial parce qu'on peut comparer. On peut faire un clic également. Regardez, un clic, boum. Voilà. On peut choisir le bench réalisé en la version, le niveau. On peut choisir le système. Donc l'environnement, Metal, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, DirectX 12. Par exemple, si je prends Linux, OpenGL 4.5, voilà. Et on peut alors avoir les configs utilisés. Regardez, Intel Core i7 3820. On peut l'ajouter pour faire une comparaison. Voilà, après je sais pas où il faut aller pour lancer la comparaison. Enfin, tester, fouiller, mais voilà. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas que
Il n'y a pas que Basemark, hein. Ok. Donc GPU, CPU. Ah voilà, GPU, CPU, carte mère, système. Ah, c'est pas mal. Attendez, je reviens par défaut. Donc là, je suis GPU, CPU. Voilà, on peut faire de la comparaison CPU. Même chose, hein. C'est génial, sous Linux. Ouais, voilà. Enfin, amusez-vous. J'espère que cette vidéo un peu bordélique vous aura plu. Ben, ça arrive, hein. On peut pas être toujours au taquet, comme on dit. Hein, vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Linux, allez. Ciao, ciao.